Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez dans le titre, comme d'habitude, dans cette vidéo les gens, je vais faire un petit entraînement de foot ici. Voilà. Et j'ai rien d'autre à dire pour cette vidéo. Surtout, merci. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de commenter, c'est super important, et de liker. Et si t'es abonné, oublie pas de mettre la cloche de notification, c'est juste à côté du bouton s'abonner, au moins t'es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et ouais, bah c'est tout pour cette intro, je vais arrêter d'en faire une plus longue et c'est parti. Donc je vous montre un peu à quoi ressemble le terrain. Là je vais faire un petit échauffement et je vous retrouve après. Pour ce premier exercice, donc je prends la balle, je slalom, j'arrive, je traîne le flot, hop hop, bref, hop. Je fais la passe au chuckball, enfin au genre du chuckball, je viens en arrière, je repasse par là, je fais le drift que je veux, je fais hop, 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 et là, finition. De base, je voulais mettre mon échelle de foot qui est dans le sac là-bas, sauf qu'il y a beaucoup trop de vent. Même là, mon ami, vous entendez le vent. Excusez-moi d'avance. Et je le fais 10 fois. Je vous filme 2 fois la première fois. Même je peux vous le filmer. Ouais, si, ouais, 2 fois la première fois, la dernière fois. Et ce sera déjà très bien. Et let's go pour ce premier exercice. Premier essai. Bon, le contrôle était mauvais, la passe, la remise a été très bien, c'est moi qui ne sais pas contrôler vraiment l'air, faut que j'apprenne ça. Donc on va faire regarder. Je vais la mettre en l'air, une petite louche tranquille. Bon là c'est tranquille, facile, mais si j'essaie de la mettre un petit peu plus forte, là je vais être tout de suite un peu en difficulté. Bon lui ça allait encore. Et du coup, sur le chuckball, je vais juste pas parler. Ça apporte des petits piquets, donc ça peut arriver de tomber. Tu le remets vite. Hop, je le bougerai pas, il sera toujours là. Parce qu'après, si tu fais 30 trous dans ta terre, voilà. Voilà, je vous filmerai le dernier essai. Et voilà. Dernier essai, après, on change d'exercice. Là, il est déjà 3. Je sais pas si vous avez vu, j'ai tenté de faire une petite louche, enfin j'en ai fait une, mais voilà. Après j'ai un peu merdé, mais sinon, plutôt fier de moi. Je vais arrêter de blablater, vraiment je blablate trop. Deuxième exercice, allez, let's go. Donc je commence là-bas, j'avance, je fais le tour. Ici je suis seulement tour de page, donc je fais hop et je ne dois pas avancer avant de couper. Vraiment aujourd'hui j'ai envie de faire un exercice, enfin un entraînement très simple, juste histoire de faire du sport un peu, faut bouger, on s'entraîne au foot et faire des frappes. Eh mais c'est pas mon jour, fallait pas que je tourne la vidéo aujourd'hui, mais pas le choix, hein, pas le choix. Allez, on va tout de suite commencer l'entraînement. L'exercice et allez, let's go. The first essay. Je sais pas si vous avez vu, j'allais zapper de faire la fausse passe, mais donc mec j'ai mis un allant de là. Moi ça c'est ma spécialité, genre venir, je viens, hop,
qui avance, puissance au sol comme ça. C'est une allonde. Bon, ça. Bon, je vous filmerai mon dernier essai et allez, let's go! Let's go! Dernier essai, les gens. Et non, ça a bugué. Oui, ah, je crois que ça a bugué. Vous avez vu le coup du foulard comme il était beau, plein lucarne et tout là. Wow. Attendez. On va le refaire. En fait, je vais vous montrer vraiment ce qui s'est passé. Vous êtes prêts? Je tiens la caméra en même temps sur le coup du foulard. Hop. Voilà. Prochain exercice. J'ai eu une idée. Ah, vous voyez pas l'heure. Bon, attends. 15h20, voilà. J'ai une idée. Est-ce que je ferais juste pas, parce que vraiment, ça commence à me saouler, juste pas un dernier exercice. Et juste pour avoir une vidéo assez courte pour une fois, parce que la dernière vidéo sur les burgers, elle était assez longue, mais j'espère que vous avez liké. Et juste, petit tuto pour ceux qui n'arriveraient pas à s'abonner. Pour s'abonner, vous voyez, vous avez votre vidéo, si vous voulez, vous pouvez mettre en plein écran en cliquant ici. Donc, pour s'abonner, vous cliquez, vous enlevez le plein écran, vous descendez avec votre souris, ou ici, regardez, vous restez appuyé, hop. Vous avez marqué abonner, donc, vous... attendez, je me désabonne pour le tuto. Donc, vous cliquez dessus, et là, il y a une petite cloche, où vous faites toutes. Au moment où vous allez avoir, dès que vous lancez YouTube, ici, là-haut, à droite, une petite notification dès que je sors une vidéo. Et pour mettre un like, il vous suffit de cliquer ici. Voilà. Pour ce nouvel exercice, vraiment, j'ai même dit dans le titre, à mon avis, enfin, je le dirais, des exercices de frappe. Vraiment, c'est très simple. Je commence ici. Donc, je mets toujours un peu pour le départ. Je tribue. Je frappe. Tu frappes. Je le fais 10 fois et j'arrête la vidéo. Donc en attendant, on avance. J'espère que la vidéo vous a plu vraiment. Moi, ça me fait trop plaisir de tourner cette vidéo. Mais elle est pas finie. Il reste plus qu'un exercice. Allez, let's go. Allez, let's go. Je pense que je vais un petit peu reculer les trucs et vous verrez bien au dernier essai qu'est-ce que ça donnera. Bon les gens, c'est la dernière frappe de cette vidéo, j'ai fini pour la fin de la vidéo. Donc vous êtes prêts, je vais lancer, je vais mettre une frappe de fou et let's go. La caméra, elle est très bien placée, c'est parti. Ça a changé maintenant que vous savez quoi, je vais vous faire la fin de cette vidéo derrière ce filet. En tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. Je suis désolée, elle était un petit peu courte, l'entraînement était court, je confirme, c'était le plus court que j'ai fait. Mais je sais pas, c'est pas bien de faire non plus trop parce qu'après je serais trop lassée donc. Je préfère faire 45 minutes, on est bientôt, je vais chercher l'heure et vous verrez l'heure qu'il est, donc ce sera déjà pas mal pour le temps de cet entraînement. Je pense que clairement vous voyez pas l'heure, j'essaie de vous le montrer le mieux possible, mais je pense que vous la voyez pas. Mais je vous jure qu'il est 15h42. Bon, avec tous les blabla, j'ai un peu sonnant, je suis allée faire un truc, je suis revenue, j'ai mis en place tout. Ouais, on est sur un 45 minutes d'entraînement. Donc, en tout cas, si vous voulez prendre exemple sur mes exercices,
je vous ne conseille pas, mais faites ce que vous voulez. C'est tout à peu près pour cette outro, on va finir la vidéo. Donc en tout cas, si ça vous a plu, une belle like et des abonnements, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Julio, peace.